12 heures plus tard, plus tôt, environ de Marseille, France. Ça commence bien cette vidéo. Écoutez, vous ne comprenez pas? J'ai pas fini mon travail en France. D'autres s'en occuperont, colonel. Nous avons besoin de vous ailleurs et maintenant. Où? En Allemagne? Je pensais que nous étions... Pas en Allemagne, colonel. Nous voulons que vous alliez en Russie. En Russie? C'est nous qui les envahissons maintenant? Pas une invasion, mission de reconnaissance. On vous envoie en Norvège prendre le commandement du groupe de combat Raven. Votre mission consiste à vous infiltrer derrière les frontières soviétiques pour récupérer des renseignements à bord d'un avion de reconnaissance abattu. Et mes hommes? Vous emmenez vos officiers et vous effectuerez la liaison avec les Rangers norvégiens quand vous arriverez. J'ai des doutes concernant l'un de mes capitaines. Nous n'avons pas de remplacement disponible, colonel. Nous perdons tous les jours d'excellents officiers, simplement en retenant les Russes en Allemagne. Très bien. Je ferai avec. Quand partons-nous? Nous organisons déjà votre vol. Bonne chance, colonel. Bannon ne fut jamais officiellement réprimandé pour la mort du commandant Sabatier. Le colon l'a juste pris à part, avant qu'on ne prenne l'avion pour la Norvège. Bannon faisait une drôle de tête quand ils sont revenus, mais il était impossible de savoir si les paroles du colonel auraient un effet durable sur lui. Notre mission était classée top secret, et nous n'avons été briefés qu'en arrivant à Kirkenes en Norvège. Nous allions être déposés près de Mourmansk en Union soviétique, pour y retrouver un avion espion abattu. Cet avion transportait des informations essentielles à l'effort de guerre. Il était donc impératif que nous le retrouvions avant les Russes. Plusieurs équipes de Rangers aéroportés norvégiens devaient nous soutenir tout au long de la mission. Et leur commandant, un certain Johansen, était un vétéran qui avait déjà dirigé 4 missions d'infiltration en Union soviétique. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa compétence ne fut jamais remise en cause. Et nous étions tous rassurés de l'avoir pour guide dans ce pays froid et hostile. Parker, le site du crash ne doit pas être loin. Conduisez les Rangers jusqu'à l'objectif et éliminez toute résistance. Vous pouvez compter sur nous. Ces Rangers sont tout ce qu'on a jusqu'à ce qu'on puisse faire venir des renforts. Ne prenez pas de risques inutiles. Ici Delta 6. Il y a une importante force de réaction ennemie dans une base militaire à 25 km de distance. Ils ne sont pas encore au courant de notre présence, mais ça peut survenir à tout moment. C'est pour ça que nous devons faire vite. Contact. Occupez-vous d'eux par cœur. Et n'oubliez pas que vos Rangers peuvent demander un soutien d'artillerie. On y va, maintenant! Donc, bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En pas de course! On reprend, on s'était arrêté la dernière fois. Hein. À vos ordres. Infanterie, parée. Cette fois-ci avec l'OTAN. Infanterie, on va en position. Paré à combattre. Et en pleine Union soviétique. À vos ordres. Nous devons récupérer des informations vitales dans cet avion. On a besoin d'une frappe sur la ville. Qui s'est malheureusement écrasé. Infanterie en mouvement. Coordonnées envoyées. Tirez en route, mon lieutenant. On place la marque. Vous pouvez compter sur nous. Coordonnées envoyées. Tirez comparé. Bon, s'il part, ça m'arrange qu'il parte. Infanterie en position. Voilà. On y va, mon lieutenant. Choisissez une cible. Donnez-nous. Allez, les gars. Nous sommes en combat. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les troupes aéroportées ne peuvent se soigner sans l'aide de troupes normales. Donc, s'ils subissent des troupes... S'ils sont blessés, ils ne peuvent pas se soigner. À l'attaque. Visez les ennemis, lieutenant. Restez à couvert et envoyez-vous. C'est, je pense, important de vous le dire. Infanterie en mouvement. Nous sommes en route, mon lieutenant. Ils se cassent contre l'infanterie, mais n'ont pas de bazooka, donc okay. Rien faire contre. Nous contrôlons le site du crash. Il faut tenir jusqu'à ce que les sapeurs du génie terminent leur boulot. On y va, maintenant! Parker, des unités de DCA soviétiques sont positionnées non loin du site du crash. Il faut les détruire avant de faire venir les sapeurs et d'autres renforts. Voilà. Deux DCA Shilka qui nous bloquent le passage. Fantassin, allez, en avant. Accélérez le pas. À vos ordres. Infanterie, parée. Courez. On y va, maintenant. Bon. J'attends les ordres. On est en route. Infanterie, frappe d'artillerie, voilà. Vous avez compris un peu comment ça se joue, ces unités-là. On a besoin d'une frappe tout de suite. Commando. Ne gaspillez pas les munitions. Barrage d'artillerie sur cette position, maintenant. Barrage d'artillerie sur cette position. Plus qu'un à détruire, et je fais venir les renforts. Visez et tirez. Ennemis décédés. Visez les ennemis. La zone est dégagée.
et des renforts sont en route. Bannon, dès que vous arrivez, prenez des positions plus au nord. Vos chars seront nécessaires pour couvrir ce terrain ouvert. À vos ordres, mon colonel. Ils ne passeront pas. Il vaut mieux. Dès que les sapeurs seront là, ils vont tâcher de récupérer la caméra. Après, ils détruiront ce qui reste de l'appareil. Restez tous sur vos gardes. Eagle 6 terminé. Bon, excuse ce petit bug là, mais normalement en fait vous appelez pas tout de suite pour renfort. On a détruit ce véhicule. Avancez vite. Blindé, parlez au combat. Direct sur les coordonnées. Parker, cette centrale est une excellente cible stratégique. Essayez de la détruire avec un petit groupe d'assaut. Parez à combattre, mon lieutenant. Bien reçu, Gérard, la diligence envoie détention. On a terminé. Ennemi détruit. On a terminé, prêt, chef. On y va tout de suite. Direct sur les coordonnées. Réponds pas que toi. Avec les camions, vous capturez ici. Eagle 6, ici Bannon. Des hélicoptères d'attaque soviétiques nous pilonnent. Terminé. Parker, Bannon n'a pas de DCA. Aidez-le si vous pouvez. Eagle 6 terminé. Il est complètement blessé. Ça arrive. On a détruit sur cette arrivée. On se dirige sur. Encore 3 minutes, Parker. Direct sur les coordonnées. Direct sur les coordonnées. Bien reçu, chevalier. Je passe. Je suis blindé. En mouvement. À vos ordres, mon lieutenant. Prêt à. Je m'en dois. Tournez vos sur les coordonnées. Barrage d'artillerie sur cette position. Ne vous inquiétez pas, il va être détruit avec ça. Vous avez pris votre temps, Parker. Je suis heureux de voir que vous pouvez nous consacrer un peu de votre précieux temps. Une bonne partie de la région vient de perdre son alimentation électrique, Parker. Ça va désorganiser Ivan un bon moment. Bon travail. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, Ivan, c'est le surnom que donne le colonel aux Russes. Il faut dépasser nos barrières. On est en combat, que voulez-vous? Nous avons éliminé la cible, mon lieutenant. Donc, je vous conseille d'en débarquer déjà là-bas. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Alors, j'ai appelé aussi un véhicule léger. Pour réparer les véhicules de l'OTAN. Maintenant qu'on peut pas avoir de véhicule de réparation avancée, on se contente de ce qu'on nous donne. Voilà, ici c'est fortifié. Vous avez perdu une unité. Demandons un raid sur les coordonnées. Tire sur les coordonnées. Nous sommes tombés sur une zone chaude. Infanterie ennemie éliminée. Bien compris. Walnut arrive avec les commandos. Barrage d'artillerie sur cette position. Vous pouvez. Nous sommes en route, mon lieutenant. Les barrages d'artillerie vous permettront en fait de déjà nettoyer ici. C'est un objectif à sécuriser plus tard. Les sapeurs disent qu'ils auront terminé dans une minute. Camion, à l'écoute. En pause. On est à l'écoute. Occupez-vous de le remettre en état. Donnez-nous rapidement des ordres. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce qu'on y va tout de suite? On y fonce, plus vite. Besoin d'entretien pris. En route. C'est pour ça que j'appelle énormément de troupes aéroportées. C'est pour justement déjà nettoyer cette zone derrière. Paré à combattre, mon lieutenant. Prêt à. On est en route, mon lieutenant. On y va, maintenant. Réparation en cours. On répare. Infanterie en mouvement. On monte à bord. Infanterie. Embarquement dans le transport. On embarque. J'espère que vous entendez pas trop mon ordinateur. Hein. Déjà, je m'excuse déjà d'avoir pris une semaine de plus avant de vous remettre des vidéos. Mais bon, mon ordinateur surchauffait. Il y avait énormément de bruit. Et pour si jamais vous entendez dans la vidéo, mais je crois pas, je peux vous dire que mon ordinateur est en train d'en faire un sacré. Les sapeurs ont récupéré le film de la caméra et ils sont prêts à faire sauter l'épave. Bon boulot, tout le monde. Éloignez-vous de l'appareil. Bien
On a besoin d'une frappe tout de suite. Vous pouvez compter sur nous. En position. Eagle 6, ici Delta 6. Mes éclaireurs signalent que les pilotes ont été capturés par les Russes, mais ils sont encore dans la zone en attente d'un transfert ferroviaire. J'ai aussi été averti que la force de réaction soviétique est en mouvement. Ils seront bientôt là. Bien reçu. Mais on ne part pas sans ces pilotes. Allez fouiller la gare. Je demande une frappe de napalm pour dégager un passage dans la forêt. Restez à distance et ensuite foncez. Nous devons dégager du secteur avant que leurs forces de réaction ne débarquent. On place la marque. Prêt à agir. Ok, Parker, vous prenez la tête de l'équipe de sauvetage. Bannon, vous restez derrière et vous assurez la protection du site du crash. C'est le point de ralliement tant qu'on ne retrouve pas les pilotes. Mais mon colonel, je... Pas de mais, capitaine. Vous avez vos ordres. Oui, mon colonel. Bannon, terminé. Infanterie, paré. Coordonnées envoyées. Donnez vos ordres. Direct, empillé, pas les mouvements. Demandons un reste sur les coordonnées. Paré à combattre. Voilà. Vos ordres. Oh mince, il a bougé. Nous avançons sur le périmètre. Ils ont détruit une de vos unités. Ennemi détruit. Camion, à l'écoute. Ils nous tirent dessus. Évitez les tirs ennemis. On doit en aller avec le transport blindé. Nous sommes attaqués. On est 28. Nous sommes en combat. Plus vite que ça. Ennemi vaincu, mon commandant. Ils ont détruit une de vos unités. On est en pleine volonté. À vos avantages. On y va. En face. Affirmatif. Évitez les tirs ennemis. Ici le BAP. Engagez la cible. Nous sommes en combat. On se met en route. Ils nous tirent dessus. Alors, la meilleure façon que ça permet d'améliorer les dégâts contre les véhicules lourds. Ici Delta 6, les pilotes ont été repérés non loin des immeubles d'habitation. Vous avez entendu, Parker. Allez-y et fouillez les immeubles. Et en vitesse. Ici Delta 6, la force de réaction n'est plus très loin. Nous allons devoir exfiltrer rapidement. Il a raison, Parker. Fouillez dans ces immeubles. Assurez-vous de tenir cette gare, Parker. Tant que vous la tenez, on peut y larguer des renforts. On commence à réparer. Bon, là, faut réparer vite fait. Les gens détruits dans la zone. Infanterie en mouvement. Accélérez le pas. Besoin d'un transport des troupes, commandeur. Et si jamais vous détruisez un bâtiment, vous prenez d'avance, vous échouez à cette mission. Parce que si jamais, c'est logique, si jamais il y a un prisonnier qui se trouve dedans, ben, vous venez de le tuer. Cognac, je décolle avec du napalm. Terminé. Voilà. Transport des troupes, on commence à réparer. Bon, vous venez sous ce petit temps-là de mort, hein. Camion, bon. Prêt à l'action, on y va tout de suite, chef. Besoin d'un transport. Ça fait partie du jeu, hein. Là, il faut attendre le temps que j'ai tout construit. Bien reçu, je règle les choses. Prêt à agir, mon lieutenant. On y va, maintenant. On va en position. Commencez à courir. Besoin d'un FAB ? Le plein est fait, on est barré, on commence à réparer. Préparation en cours. Véhicule hostile détruit. Attention, ils tirent dessus. Ils ont détruit une de vos unités. Voilà, vous voyez maintenant ce qu'ils vont vous envoyer. Donc si jamais vous avez des unités d'anti-char, ça peut être très pratique dans cette mission. Voilà, mes chars là sont réparés. Quoi d'autre ? Mes chars, mes VBL, mes cubes bien dégagés. On est paré en transport blindé. Blindé en mouvement. On y va, tout de suite. Attaquez. Transport blindé. Tirez sur cette cible. Destination confirmée. On se dirige vers les coordonnées. On a eu cette cible. Entrez sur le périmètre. On entre dans le bâtiment. Allez, il faut fouiller, il faut fouiller, il faut fouiller. Donc là, je m'excuse de pas dire grand chose, qu'en fait, j'ai un peu tout dit sur le sur la Scandinavie, un peu la mission d'avant. Il faut dépasser le Warrior. Ce véhicule, c'est parti. Coordonnées confirmées, on est en route.
Il faut savoir que ça c'était pas rare en fait. L'espionnage était pas rare du tout hein, dans... On commence à réparer. Infanterie en position. Dans la réalité, ouais. Ils ont détruit une de vos unités. Voilà. Ils nous tirent dessus. Que voulez-vous? Tire sur les coordonnées. Lieutenant, donnez-nous des renforts. On est au combat. Premier passage terminé. Aucune trace des pilotes. Un immeuble fouillé. Continuez. Vaincu, mon commandant. Et suivant. Cible éliminée. On entre dans le bâtiment. Vous pouvez compter sur nous. La Légion est en place. On prend la ligne. On est envoyé. Tirez sur les réparés. Camouflez-nous avec des fusils. Commencez les réparer. Réparez-le, vite. Occupez-vous de le remettre les armes. On place la marque. Direct en parallèle. Comme ça, ça évite que vous. Vu que vous pouvez bombarder avec les unités là, ça vous évite que les autres soient endommagés. Donc de perdre du temps à la réparation. Hostile éliminé. Bien monsieur, je largue la Légion sur votre position. On a terminé. Bien monsieur, infanterie aéroportée en approche. Terminé. Bien évidemment, je continue en AP. Parce que ces unités sont très utiles. On les suit les tirs. Et on attend. Deuxième immeuble fouillé. Il faut faire plus vite. On est en route, chef. Direct sur le véhicule est prêt. Bien pris, chef. Et vous venez voir le MI-28 AVOC. Il nous faut des remplaçants pour l'unité. Il nous faut plus de monde. Allez, allez. On est paré. On est paré à rouler. Ici les bas. Allez, allez, commandant. J'attends les ordres. Alors, il y a une question qui m'était posée, je suis en train de penser là. Qu'est-ce que fait une unité plus gradée? Une unité plus gradée a ses compétences qui se rechargent beaucoup plus rapidement. Vous pouvez compter sur nous. Personnellement, j'ai pas vu de différence de résistance et de dégâts. Mais ça m'étonnerait pas que ça existe, hein, parce que plus souvent j'ai utilisé des gradés et non gradés en même temps, donc je m'en rends pas trop compte. Ils ont détruit une de vos unités. Eagle 6, on les a trouvés, je répète, on les a trouvés, on va les ramener chez eux. Les pilotes ont été localisés, ils sont choqués mais vivants. Je savais que je pouvais compter sur vous, Parker. Ici Delta 6, la force de réaction soviétique s'est déployée devant la ville. Il y a au moins 3 compagnies blindées avec des chars et des VAB. Nom d'un chien! Ils sont arrivés plus vite que prévu! Parker, battez en retraite avec les pilotes! On ne peut pas rester là à combattre un ennemi supérieur en nombre! Ici Bannon! Je pourrais attaquer les Russes sur le flanc avec ma compagnie! Ça pourrait les retarder, Bannon! Allez-y! À vos ordres, mon colonel! En avant, toutes! Formation en pointe! Tirez sur tout ce qui bouge! Il faisait comprendre l'erreur de Bannon à ce moment-là. Des fantassins. Passez à la coaxiale. Mitrailleuse prête. À toutes les unités, bravo. Engagez l'infanterie ennemie à 12h. Mon capitaine, il y a un truc qui va pas, là. Vous ne m'avez pas entendu, caporal. Feu. C'est parti. Chargez. Cessez le feu. Cessez le feu.
Quoi, est-ce qu'ils avançaient comme ça aussi? Comment on pouvait savoir? Bannon, j'ai essayé de vous contacter. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Mon colonel, nous avons... Vous avez quoi, imbécile? Vous avez tué ces gens? Je croyais qu'ils nous attaquaient, mon colonel. Et avec quoi? Avec des balais? Regardez bien ce que vous avez fait, capitaine. Nous en reparlerons plus tard. Parker, votre point d'exfiltration est bloqué par les Russes. Vous allez devoir vous frayer un chemin en combattant avant que la force de réaction ne vous tombe dessus. Bon travail, lieutenant. La ZD nous sera très utile. Capitaine Bannon, répondez. Vous devez remonter à cheval et frapper Ivan dans les côtes comme prévu. Parker a besoin de toute l'aide possible. Oui, mon colonel. J'ai juste... Plus tard, Bannon. Croyez-moi, je n'oublierai pas. Mais pour l'instant, on a une bataille à gagner. On est en route, mon lieutenant. Cible décédée confirmée. Ennemi vaincu, mon commandant. Occupez-vous de le remettre en état. Ennemi vaincu, mon commandant. Vous avez des pertes. Commencez les réparations. Il faut déplacer le bon là, je vais le tuer. On est allé réparer le, vite. Commencez les réparations. Vous pouvez compter sur nous. À vos ordres. Bien compris, appuyez. Commandez au combat. À vos ordres. À vos ordres. On a besoin de transport sur la cible. Vite. Transport. Préparez-le. Vite. On se met en route. On est allé confirmer. En avant. Allez. Unité éliminée. Besoin d'un VAB? Je tire un anti-char sur la cible. Que voulez-vous? Visez les ennemis. Il me faut des ordres. On est blindé, blindé. Destination confirmée. On avance. On y va. Ennemi détruit. Blindé. On se dirige. J'attends les ordres. Infanterie en mouvement. La Légion est en place. À vos ordres. Ennemi décédé. Qu'est-ce que vous voulez commencer les réparations? Bien reçu. Je fais pleuvoir des obus sur la zone. Union terminée. Yamel, France Affaires aux réparations ici. Préparation en cours. On se dirige vers France Affaires aux réparations ici. Le barrage d'artillerie. J'attends les ordres. On monte dans le transport. Tout le monde c'était est à bord. Embarquez dans le transport. Embarquement dans le transport. Embarquez dans le transport. Préparation en cours. On commence à réparer. Infanterie en position. Que devons-nous faire? Prêt à agir, mon lieutenant. Tout le monde est à bord. La route est dégagée. Partez vers le sud. Le film contenait des renseignements très intéressants. Et nous avons une nouvelle mission le long de la côte. Tout le monde se regroupe au point 7-3 pour le débriefing. Eagle 6, terminé. Donc voilà, nous avons reçu cette mission, hein. En dépit d'un brutal harcèlement ennemi, nous avons réussi à retrouver la pellicule et les pilotes abattus. Ce film contient des informations vitales sur la marine russe. Sans toute vraisemblance, vous participerez bientôt à une autre attaque dans la zone. Et grâce à cela, nous sommes promus lieutenant. Et nous avons la situation lors des opérations conjointes. Et nous avons aussi vu l'erreur de Bannon. Pourquoi le colonel l'a pris vraiment à partie. C'est d'avoir tué des civils. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.